Ok, donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Écarlate. Donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment débloquer les étoiles des raids 6 et 7. Voilà. Ou plus, bien sûr. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, déjà pour commencer, faut faire votre aventure. D'accord ? Vous faites votre aventure principale. D'accord ? Vous battez tous les champions d'arène. Donc je vous mets une image juste ici là. Battez tous ces gars, ainsi que le maître de la ligue Pokémon, bien sûr, qui va être là, bien sûr, je vais le mettre là parce que je donne quand même des infos. Et dès que vous avez fait ça, directement il y aura en fait un petit tournoi entre collégiens, entre parenthèses, et tout le monde. Et ensuite, vous avez terminé l'aventure, mais il y a tout de même à affronter, à même à tuer. C'est qu'on s'appelle. Vous voyez les gangs, les teams. Je sais plus c'est quoi. C'est les zones un petit peu où genre t'as des gangs où tu dois tous les abattre et tout. Un peu comme la Team Rocket, tu vois. Bah, en gros eux, genre les Team Star, voilà. Et bah eux tu les vaincs, tu les bats aussi. Et dès que tout ça c'est fait, directement tu passes la zone 0. Voilà. Donc c'est l'après fin. D'accord, de la ligue Pokémon. Dès que tu as fait ça, directement, tu vas devoir réaffronter les champions d'arène, ainsi que la ligue Pokémon. Donc, je les remets ici, bien sûr. Et dès que tu as battu ça, littéralement, il y aura un tournoi juste après encore. Donc ça fait deux tournois, bien sûr. Mais il y aura un autre tournoi. Et dès que tu as battu le tournoi, en fait, le professeur va... donner en fait l'accès d'avoir les 6 et 7 étoiles pour les raids, d'accord. Donc je vais même vous mettre un petit extrait juste après là du combat du tournoi, d'accord, et vous donner en fait, vous montrer littéralement l'obtention des 6 et 7 étoiles. Voilà, je vous donne toutes les infos comme ça fait une petite vidéo assez courte. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Au moins direct vous avez les faits. Et voilà tout. Ok? Donc je vous mets l'extrait là. Et puis après on se revoit juste après. A tout de suite. Yeah.
Ok. Donc, dès que vous avez terminé le tournoi, donc il y a ici après, vous aurez débloqué donc les raids 5 étoiles. Donc il y en aura plein. Il faut en fait, juste après, en faire 10. Donc faire 10 raids 5 étoiles. Et à ce moment-là, vous allez avoir un message, Moti Moti. Et je vous laisse découvrir la suite. Allô, Mister Phoenix, c'est Monsieur Jacques à l'appareil. Merci beaucoup d'avoir enquêté sur les raids Terra Crystal. Ton aide précieuse nous a permis d'effectuer des analyses. Nous avons ainsi compris que les cristaux de ces raids sont influencés par l'énergie Terra Crystalline, qui s'échappe parfois du cratère de Paldea. De plus, nous avons découvert un raid Terra Crystal particulièrement affecté par ce phénomène, dont le cristal est devenu noir. Le Pokémon cristal qui s'y trouve est extrêmement puissant. La plupart des dresseurs et dresseuses ne feraient pas le poids face à lui. Il est si redoutable que même pour toi, il présenterait un danger. Et pourtant, je sais à quel point tu es fort. Alors ne participe surtout pas au raid Terra Crystal avec le cristal noir, d'accord? Même si tu le vois sur ta carte. C'est bien trop risqué. Entendu. Trop facile de te convaincre, c'en est presque suspect. Écoute, je suis désolé de t'avoir impliqué dans tout ça, mais crois-moi, il ne faut toujours pas. Tu t'approches de ce cristal noir. J'espère pouvoir compter sur toi, sur ce, je te dis à bientôt. Ensuite, dès que vous avez fait tout ça, donc on va voir sur la carte. Hop. Et en fait, il y aura plusieurs raids. D'accord? Mais le truc qui est important à savoir, c'est que tu vois, t'as des raids neutres, comme ça là, qui brillent pas, qui a rien. Et vous allez voir que sur la carte, en fait, il y aura des raids qui seront différents des autres, comme par exemple celui-ci. Vous voyez celui-ci? Il brille. Ça veut dire que celui-là, il y a possiblement des étoiles 6 et 7 étoiles. Donc on va aller voir ça de ce pas. Je vais vous montrer. Mais au moins, vous aurez toutes les étoiles. Et ça, c'est important parce que pour avoir des Pokémon pétés, c'est ce qu'il faut absolument. Ensuite, hop, je vais juste mettre un pointeur pour pas me tromper. Voilà. On va aller voir le raid pour preuve. Et puis je m'arrêterai là. Ok? Au moins, comme ça, ce sera un petit tuto de 10-15 minutes. Permettant de savoir comment avoir les raids 6 et 7 étoiles. Et comme ça, on sera tranquille. Ok. Donc là, on a réussi. Donc, essayez de ne pas toucher les cristaux noirs. Et là, il y en a un. On clique dessus. Et là, on voit quoi ? Un cristal 6 étoiles. Bon, par exemple, lui, on l'a chopé, donc c'est 6 étoiles. Mais si t'as de la chance, tu peux tomber sur des cristaux 6 ou 7 étoiles. Par exemple, pour les différencier, donc par exemple, lui, c'est un cristal violet. Les violets, c'est 6 étoiles. Et il y en a d'autres que tu peux trouver un peu plus loin. Et bah, ce sera des cristaux blancs qui brillent. Et bah ceux-là en fait ce sera des 7 étoiles. En l'occurrence là j'en vois pas 7 étoiles. Je vois pas des blancs qui brillent. Mais vous verrez que chaque jour en fait chaque jour les raids vont changer au fur et à mesure. Donc après il y a une technique hein, c'est vous changez l'heure de la console pour pouvoir refaire pop etc etc. Mais moi en l'occurrence j'ai que un raid. Donc c'est pas folichon. Mais j'en ai que un. En tout cas, c'était la petite vidéo pour vous montrer comment avoir des raids 6 et 7 étoiles. Donc, voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour la prochaine fois. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez avoir plus d'informations à propos de ça. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr. C'est gratuit et en plus de ça, ça me ferait grandement plaisir. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye à tous.